Avant M. Mermaz, le Premier ministre, Pierre Mauroy, a tenu à expliquer aux députés que le changement voulu par les Français implique la mise en chantier. Soyez sans crainte pour le changement annoncé. Dans ce domaine, vous faites l'histoire qui dira un jour que la France asphyxiée par le centralisme a été libérée par une réforme apportant aux communes, aux départements et aux régions davantage de pouvoirs et de moyens en conférant aux Français une nouvelle citoyenneté faite d'une plus grande participation avec davantage de liberté et de responsabilité. Monsieur Mauroy a également annoncé que le gouvernement convoquerait l'Assemblée en session extraordinaire à deux reprises, l'une le 8 septembre et l'autre en mars. Voilà donc les députés prévenus, ils ne chômeront pas dans les mois qui viennent.